Hey, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui face à cette adorable petite sirène qui s'appelle Louise. Et oui, c'est le livre Louise Capcanaille. Donc en fait, chaque livre de Capcanaille correspond à un personnage et donc porte le nom du personnage en question. Donc là, la sirène, vous l'avez compris, c'est Louise. Et les livres Capcanaille sont édités par Claire Fontaine. Alors, sont été, parce que ça devient extrêmement difficile de tomber dessus. Vraiment, il en reste très très peu. Donc, pour les trouver, c'est pas évident. Moi, là, j'ai envie de faire cette illustration que je trouve adorable, là, la sirène avec son grand chapeau comme ça, ses bracelets, son joli collier, voilà, ça me plaît. Le poisson avec sa couronne, je trouve ça trop mignon. Et en fait, cette illustration-là, je l'ai imprimée sur du papier un peu épais pour faire des tests, en gros, on va dire. J'ai envie d'essayer de faire un fond un peu marin, c'est-à-dire de faire un fond avec, hop, ces encres que je vous avais montrées qui me viennent de chez Cultura et que j'avais eu en promo. Donc là, je veux faire vraiment un petit dégradé à partir du un peu plus foncé au plus clair pour aller vers le haut. Et ajouter ensuite des genres d'algues sur le bas. Donc pour ça, je voudrais prendre mes pochoirs de chez Action. Donc celui-là en l'occurrence. Hein. Dans les packs, il y a plusieurs pochoirs. Mais moi là, je veux vraiment utiliser celui-là. Je trouve que ça peut faire sympa pour donner l'illusion d'algues en train de monter. Et pour ça, tenter de faire mes algues avec ma pâte que je vous avais montrée en fait que j'ai eue à Noël. À Noël ou mon anniversaire? Non, Noël, je crois. Je sais plus. Enfin, vu que mon anniv est en novembre, Noël en décembre, hein, c'est en fin d'année, quoi. Donc là, voilà, j'ai envie d'essayer ça. C'est une pâte qui va faire un peu une texture. Et je me dis que ça peut être sympa de tenter. D'où le fait que autant le faire sur une impression. Comme ça, au moins, si c'est loupé. Bah tant pis, c'est pas la fin du monde, je n'ai pas bousillé un livre de colo. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que là, je vous mette en avance rapide la réalisation d'abord du fond avec les encres, hein, parce que bon, il n'y a rien de nouveau. Et ensuite, on essayera ensemble la pâte que je viens de vous montrer avec le pochoir de chez Action. Je ne sais pas du tout si ça va être un fake ou si ça va fonctionner. On verra bien. Moi, je m'occupe d'abord de faire mon fond tout en regardant Inventing Anna, puisque je suis à fond là-dessus en ce moment, hein, cette série qui fait fureur sur Netflix. Donc voilà, je m'occupe de faire la base pour le fond et je vous reprends.
La base pour mon fond est prête. Bon, j'ai fait une petite marque par exemple là, mais c'est pas très grave puisque comme je vais rajouter des bulles, à la limite, je ferai passer des bulles à l'endroit là, on les verra plus. Voilà, les deux, trois petites marques qu'il peut y avoir, je les camouflerai. Bon, ce qui m'embête un petit peu, c'est plus, bon, à la limite, dans la queue, avoir débordé, c'est pas trop gênant, comme je vais partir sûrement sur du vert, je pense, ça se verra plus trop. C'est plus là, la partie, le tout petit accrochage là au niveau du bras qui m'embête un petit peu. Bon, mais c'est pas la fin du monde en soi. J'ai eu la flemme, on va dire, de mettre du drawing gum pour protéger mon colo, et pourtant, j'aurais dû. Mais voilà. Bref. Donc là, j'ai utilisé mes encres, j'ai fait la base et maintenant j'ai envie d'essayer donc de faire des algues avec cette pâte. On va voir ce que ça donne. Alors, pour ça, d'abord, j'ai besoin du pochoir. Donc là, ce sont des lots. À chaque fois, il y a 5 pochoirs dedans que je les achète chez Action. Alors, me demandez plus le prix, je ne pourrais plus vous le dire, mais c'est franchement pas cher, hein. Ça doit être aux alentours d'un euro, un truc comme ça. Donc là, je vais me le positionner. Et puis, je vais essayer de faire quelques petites algues en train de monter. On va voir ce que ça donne, hein. Donc, on va prendre la pâte. Elle a vraiment une allure, on dirait, de chantilly bien épaisse. Et alors, moi, je n'ai pas, vous savez, les spatules là qu'on appelle des couteaux pour la peinture ou autre. J'en ai pas. Donc, je vais prendre ceci. Quand je vous dis que je fais beaucoup de collections, bah j'ai aussi encore des vieilles cartes comme ça, des cartes téléphoniques. Concrètement, celle-là, elle n'est pas hyper belle, hein, je l'ai eue dans un lot, donc elle me sert bah, quand j'ai besoin d'appliquer des choses ou d'appuyer ou autre, c'est très pratique. Ça marche aussi avec bah, les cartes de fidélité, hein, tant que c'est une carte plastique, vous pouvez l'utiliser. Alors, on va tenter. J'en ai peut-être pris un peu beaucoup, je ne sais pas. Hein. J'y vais en essai. J'ai vu qu'il fallait donc, d'après ce qui est marqué, appliquer comme ceci. Et hop, ensuite, on enlève le surplus. Alors, je ne vais pas en mettre sur ma sirène. Donc, on va essayer de ne pas aller trop haut à ce niveau-là. Je veux approcher, mais pas en mettre directement sur elle. Ce serait dommage. Donc on en met, on enlève l'excédent. Je vais essayer de faire tout ce qui est proche de la sirène d'abord. À savoir que la technique d'utiliser des cartes comme ça marche aussi très bien. Quand vous avez besoin de mettre quelque chose dans une poche à douille, vous mettez votre crémeau dans la poche à douille et ensuite vous poussez avec ça pour que ça aille au fond de votre poche à douille, c'est nickel. Voilà, petite astuce cuisine. Alors, on va faire attention aussi au poisson, hein. Ce serait dommage de lui en mettre. Je ne sais pas s'il faut mettre une grosse couche, mais comme mon pochoir n'est pas hyper épais, hein, c'est des pochoirs très très fins, ben, je ne peux pas en mettre 6 tonnes. Je vais essayer d'en mettre un petit peu là parce que je ne veux pas que ça fasse trop linéaire. Hein, je ne veux pas avoir des algues à chaque fois au même niveau. Donc là, je vais me faire celui-là. Ce petit bout-là, hop. Alors, ici, j'ai pas mis. Donc là, comme je vous le dis, hein, c'est un test. On va bien voir si ça rend bien, si en l'appliquant comme ça a un beau rendu. Alors, où est-ce que je veux en mettre? On va faire ici. Et donc après, normalement, bah, je peux teinter ma pâte, hein, une fois que ce sera sec. Donc, je
pense essayer de teinter encore avec des encres parce que bah, dans le pack que je vous ai montré, là que je viens d'utiliser, il y a des teintes entre bleu-vert que j'ai envie d'essayer. Alors, je vais hop, décaler, essayer d'en faire aussi vers là. Donc, on va partir là, approcher la sirène. Se trouve, en ayant mis du... Si j'avais mis du drawing gum, j'aurais pu bien protéger ma sirène, peut-être même de cette matière. Faudra que j'essaye un de ces quatre, voir si le drawing gum peut protéger de cette pâte. Prochain test, hein. Bon là, je fais déjà un test là comme ça et si, si là c'est concluant, bah, le prochain test avec la pâte, ce sera ça, de voir si mettre du drawing gum permet de protéger l'illustration de cette pâte. Est-ce que j'en mets encore vers là-bas? Oui, hein, à la limite. En essayant de faire monter peut-être un peu plus. Je ne voudrais vraiment pas accrocher la sirène, donc j'essaie vraiment d'y aller doucement. Ouais, non, on va éviter de le faire de la main gauche, hein. Je ne suis pas gauchère, donc ça, je risquerai de faire des katas plus qu'autre chose. Je pense avoir réussi à approcher pas mal ma sirène sans trop l'accrocher. Alors, bah pour là, ouais, là j'en ai mis, là aussi, je vérifie, hein, parce que je ne suis pas certaine d'en avoir mis vraiment partout. Là, je vais en remettre un peu. Là, il en manque, voilà. Bon, ben on va déjà enlever la première couche et voir ce que ça donne, hein. Ben écoutez, franchement, je trouve ça très joli. Ça donne vraiment ce que je voulais, cet effet un petit peu d'algues qui monte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très très beau. Donc, j'ai hâte de voir une fois coloré. Il y a juste un petit truc qui m'embête. Alors, je vais poser ça là. Est-ce que là, je peux enlever les morceaux qui n'étaient pas complets sur le pochoir? J'ai pas trop envie de les laisser. Ces petits bouts-là, ça fait bizarre d'avoir des morceaux d'algues pas terminés. Ouais, ça s'enlève. Et puis à la limite, bon, ça m'a fait des petites traces blanches. Mais comme je vous ai dit, je vais mettre des effets de bulles par endroit. Donc c'est pas très gênant. On va enlever ce que j'ai sur le doigt. Hein. Est-ce que j'ai. Hop! Un petit bout de mouchoir. Alors déjà, pour essuyer un coup ma carte, hein, parce que je vais en avoir encore besoin. Donc vraiment, système D, les cartes de fidélité, les vieilles cartes téléphoniques ou autres, c'est nickel.
Moi, j'utilise ça pour beaucoup de choses. Vous savez, genre, vous n'avez pas ce qu'il faut, vous devez faire un tout petit peu de tapisserie. Hein. Je ne parle pas pour un grand morceau et il faut maroufler un petit coup. Hop, la carte comme ça, c'est impeccable. Quand c'est pour une petite surface, bien entendu. Hein. C'est le système D, vite fait, quand on a besoin. Je vais laisser la feuille faire l'autre morceau et puis après, on verra. Est-ce que là, il y en a beaucoup en dessous? Non, en plus, bah, ça ne m'en a pas mis en dessous, donc je devrais pouvoir directement la repositionner. Alors là, j'ai fait, pardon, une partie un peu plus haute. Je crois que je vais remonter un peu par là. Comment je vais me le mettre? Parce que si je le mets comme ça sur le poisson, j'ai peur quand même d'en mettre. Qu'il y en ait quand même qui se mettent dessus. Voyons voir. Bon, ça a l'air d'aller. Donc à la limite, je pourrais faire ça comme ça. On va partir là-dessus. Alors, je vais juste quand même frotter un petit peu le bord. Voilà. Et venir appliquer mon pochoir par là pour faire une autre partie qui monte un peu. J'ai envie que là sur le côté il y ait des algues un peu plus hautes. Un peu comme là quoi. J'ai monté une partie, je vais en remonter une autre. Alors, on va reprendre ça. Un petit peu de pâte et c'est parti. Et surtout, il faut que je pense à ne pas accrocher mon poisson. Ce serait dommage. Comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a rien de très compliqué pour l'utiliser. Hein. Il suffit de prélever un peu de votre pâte. Et puis, bah, avec un pochoir, hop, vous mettez votre pochoir, vous appliquez votre pâte. Système D ou pas système D, hein, ça dépend si vous avez le matériel adéquat pour appliquer la pâte. En même temps que je vous ai, je profite du calme là, ça fait du bien. C'est pas que j'aime pas mes gremlins, hein, mais comme là c'est les vacances, bah, ils sont H24 dans la maison, hein, parce qu'on bon, n'a pas eu un temps nickel non plus tous ces jours-ci. Et quand on a trois enfants de trois âges différents, dont deux garçons totalement à l'opposé, il y a des moments, ça se frite pas mal et c'est épuisant. Clairement. Alors, est-ce que j'en mets aussi là où on va faire un tout petit bout là? Je vais me mettre là, celle qui est là, la limite. Un petit bout comme ça. Bon, moi, j'ai trouvé un truc. On est en train de se faire les épisodes de Malcolm. Vous savez, la série là avec la famille. Américaine où les gamins sont un peu épuisants et elle est super marrante cette série. Alors bon, moi je l'ai déjà vue et revue et revue, mais mon plus jeune ne l'avait pas vue et du coup bon bah hier par exemple on a eu une journée où il pleuvait en continu, ça les a un peu occupés, on s'est fait deux trois épisodes et c'est super marrant. Voilà. Donc je n'ai pas eu la bonne idée de prendre du papier brouillon pour poser mon pochoir une fois utilisé. Je vais faire comme ça. Alors, j'essaierai de le nettoyer. Je vous dirai si ça part facilement. Hein. J'espère, parce que j'aimerais bien le récupérer, ce pochoir. Alors, je vais enlever, pareil, les tout petits bouts qui se sont mis et dont je ne veux pas. Ne regardez pas mes ongles. Là, en ce moment, ils sont pourris de chez pourris. J'avais pas vu que là, il y avait un petit bout. Ouais, à la limite, on peut se dire que c'est un début de feuille. Et encore, je vais essayer de l'enlever avec ça. Ah bah, sauf que non, je ne vais pas l'enlever parce que c'est déjà quasiment sec à ce niveau-là. Ça a l'air de sécher assez vite. Voilà. Non, le tout petit bout là, ça peut. Ouais. Est-ce qu'il part? Oui, il part. Donc on va l'enlever. Voilà, j'enlève les petites parties dont je ne veux pas. Hop, alors je vais décoller ça de là hein, quand même. Et voilà donc pour le moment ce que ça donne. Hein. Donc on a vraiment un petit effet là en relief sympa. Je trouve ça très joli.
Bon, j'ai vite fait d'aller nettoyer en fait ma petite carte et mon pochoir. Il n'y a pas de souci, un bon coup d'eau chaude, on frotte un peu avec les mains et ça part. Maintenant, donc, ça a déjà bien séché, mais je vais vraiment laisser plus longtemps. Hein. Là, ça fait quoi? Peut-être 4-5 minutes. Donc, je vais laisser sécher bien comme il faut avant de d'essayer de mettre un peu d'encre dessus ou je ne sais pas encore ce que je vais mettre, si je passe de l'encre, si je mets autre chose. On verra. Là, ce que je veux, c'est, vous voyez, là, il y a une tache. Il y en a là aussi. Hein, c'est un petit test que j'ai fait en revenant d'avoir nettoyé puisque j'avais les mains un peu humides. Donc, voilà. Je veux faire comme ça, des petites taches par endroit pour que ça ait l'effet, après, quand je mettrai mes bulles, vraiment un effet un peu fond marin. Alors, je vais décaler. J'ai plus de papier dans le coin. Hop, je vais prendre ça. Bah, d'ailleurs, il est mouillé. Ah bah oui, c'est celui que je devais avoir en dessous au moment où j'ai fait l'essai. Voilà. Donc, pour ça, rien de compliqué. Un petit pchit avec de l'eau. On en met dans les mains. Enfin, dans une des mains. Voilà. Moi, je fais comme ça. Je trempe après mes doigts dedans. Et j'éclabousse ma feuille. Tout simplement. Voilà. Un peu partout et avec un mouchoir, un sopalin ou autre, hein, ce que vous voulez, vous venez juste, voilà, tamponner comme ça pour enlever l'excédent d'eau, ce qui va en même temps enlever là où vous avez mouillé, ça enlève l'encre et donc ça vous fait cet effet de bulle. Je suis désolée pour la luminosité qui n'arrête pas de changer. On a des nuages en ce moment qui n'arrêtent pas là de passer aujourd'hui devant le soleil. Et du coup, toutes les 2 minutes, j'ai plus ou moins de clarté. Voilà. Donc là, je vais en mettre à d'autres endroits. Hein. Hop. Ça aura vraiment un petit effet comme s'il y avait des bulles par endroit grâce à ces petites taches. Et je rajouterai moi des bulles en les faisant hein, au stylo. Enfin, au stylo. Certainement avec du Posca ou du stylo blanc, je ne sais pas encore. Hein? En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, parce que j'aurais juste à nettoyer le sous-main, ça ira très bien. Je vais essayer de ne pas trop mouiller là où j'ai mis du produit. Hein. On va essayer d'aller un peu autour. Là, il n'y a vraiment rien de compliqué à faire ça. Hein. Bien réussir à en mettre un petit peu là. Voilà. Bon, si en plus je vais directement taper dessus, ça va pas le faire. Voilà. Vais remettre un tout petit peu sur le haut et puis ça ira bien. Voilà, à ce niveau-là, ce sera bon. Je vais attendre que ça sèche. Mais donc, voilà, on a des petites taches qui sont apparues. Et puis, vraiment, ce côté-là que j'aime bien, version algue. Alors, j'hésite, je ne sais pas si je tente. C'est sec. Ouais, ça a l'air de sécher rapidement, hein. Je ne sais pas du tout avec quoi je vais le colorer. Si j'essaye de mettre de l'encre, parce que c'est vrai que je vais vous montrer ça. Alors, je pousse ça. Hop. Je tenterai bien de mettre une de ces teintes-là, voire peut-être même les deux. Maintenant, je ne sais pas trop comment, parce que est-ce que si j'y vais comme ça et que j'essaye un tout petit peu de frotter, ça ira?
Je ne sais pas. Ou alors, j'hésitais à savoir, est-ce que je le fais donc dans des teintes un peu plus vertes ou est-ce que je reprends la teinte un peu violette que j'avais déjà un peu mise? J'hésite, j'hésite. Je ne sais pas, c'est assez sec. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux et je vous reprends. Bon, alors niveau luminosité, c'est de pire en pire. Il y a des moments comme là, j'ai un peu de soleil. Des moments, il y a plein de nuages qui se mettent devant. Donc, bah, j'ai quand même une lampe à côté au cas où. Mais ce ne sera pas génial à ce moment-là. Bon, on fait comme on peut, hein. Là, je voudrais bien réussir à terminer cette partie. Donc, bah, j'ai mis un petit coup de sèche-cheveux hein, pour être sûr que ce soit vraiment bien sec. Et on va tenter. Eh bien, ça y est, il y a un nuage, hein, décidément. Je vais tenter alors de mettre une teinte un peu verte sur les algues, sachant que je pense que forcément ça débordera un peu autour, mais c'est pas grave, ça donnera l'effet, voilà, algues qui se baladent. On va voir ce que ça donne. J'ai pas pris, j'ai toujours un petit carnet au cas où pour essuyer le trop-plein, je voudrais pas en mettre de trop. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air de s'appliquer dessus, hein. Comme vous pouvez le voir, je vais vous le faire un peu plus par là, vous verrez un peu mieux. Je vais en faire des plus vives, des plus claires, on verra bien. Voilà, donc ça s'applique, hein, il n'y a pas de souci, j'arrive à mettre de l'encre sur mes petites algues. Alors, ne pas en mettre sur la sirène. Bon, en soi, ce ne serait pas très grave parce que je veux lui faire la queue verte, donc. Mais bon, quand même, essayez de ne pas en mettre partout. Je vais tamponner un petit peu de vert autour, hein, ça fera. Ça se mariera un peu plus avec le fond. En tout cas, ça fonctionne, hein. Je vais vous montrer un petit peu. J'arrive à colorer tout doucement les petits motifs que j'ai faits. Je pense que là, je vais vous faire le reste en avance rapide, sinon on va en avoir pour des plombes. Surtout peut-être je mettrai une deuxième couche et puis après je vous montrerai ce que ça donne. Thank you.
Voilà. Donc j'ai utilisé mes encres pour mettre sur mes petites parties d'algues, utilisé mes encres aussi bah, pour faire le fond derrière, et j'ai donc bah, fait mes algues avec cette pâte, et c'est plutôt sympa. J'aime bien l'effet que ça donne un peu de relief. Maintenant, bah, je vais faire mon illustration, et puis bah, je vais vite fait vous montrer ce que j'ajouterai. Est-ce qu'avec ça, ça fonctionnera? On va voir. Je vais utiliser en fait, bah, je sais pas, on va voir si ça fonctionne ou alors un signe ou autre pour rajouter comme ça, un signe, un artiste rouge, je voulais dire, des petites bulles à différents endroits. Je pense que je vais peut-être même en rajouter directement à l'intérieur des algues. Ouais, c'est peut-être pas le mieux le stylo comme ça. Peut-être qu'avec un Posca artiste rouge, j'y arriverai mieux. Faudra que je vois. Mais voilà. Je vais ajouter des petites bulles qui vont se balader. Un petit peu partout comme ça, à travers mes algues, à travers mon illustration. Je trouve que ça fait plutôt sympa comme ça, les bulles qui se déplacent. Donc, je vais en mettre vraiment partout. Un peu comme j'avais fait bah, dans le colo du mois dernier avec les deux murènes. J'avais trouvé ça sympa de faire ça. Donc, je vais en mettre vraiment partout. Voilà, une petite idée de ce que ça donnera à la fin. Donc je vais même en mettre comme là, hein, dès qui passe derrière mes feuilles d'algues. Ce sera plutôt sympa. Et donc voilà, je vais en faire monter un peu partout. Mais en tout cas, bah, cette petite pâte est très sympa à utiliser. Comme je dis, je ferai un test aussi de mettre sur une illustration du drawing gum, là, la pâte que j'utilise pour protéger l'illustration, et puis ensuite d'utiliser ça pour voir si bah là vous voyez j'ai dû faire attention à ne pas aller sur mon illustration, donc voir si j'avais mis du drawing gum et qu'après j'étais passée avec ma pâte, est-ce que bah, malheureusement ça abîme le drawing gum et donc l'illustration en dessous, ou est-ce que ça s'enlève, que ça part avec le drawing gum et que du coup on peut protéger l'illustration? Ça, c'est un test qu'il faudra que je fasse bientôt. Mais en attendant, voilà, on peut réaliser des trucs sympas. Il suffit donc, bah, par exemple, comme là, d'avoir des pochoirs et puis ensuite de teinter. Moi, là, je suis contente du résultat. Ça fait un effet un petit peu plus sombre sur le bas, plus clair en haut comme je voulais. J'ai mes algues, je vais mettre des bulles partout. Et puis, bon, bah, je pense que je vais faire la queue de la sirène dans des tons verts, très certainement avec un effet pailleté. Et puis voilà, faire pareil pour les écailles des poissons. Je pense que je vais rester ouais, très certainement du vert pour les deux, que ce soit pour la sirène ou pour les poissons. Et puis voilà, voir après, je ne sais pas encore au niveau du chapeau ou autre, dans quelle teinte je pars, à voir. Mais voilà, j'ai plus qu'à faire mon illustration, rajouter mes bulles partout. Donc ça prend du temps, hein. En général, c'est assez long, mais bon, c'est plutôt cool. Et puis voilà, allez. Je vais laisser ça. Je vais me faire une petite pause colo parce que là, ça fait assez pour là. Je vais me remettre dans ma série, je pense. Et puis, je reprendrai ça un peu plus tard. Sur ce, bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire si vous avez déjà utilisé cette petite pâte. Hop, voilà. Et ce que vous en avez fait, hein, parce que vous, c'est peut-être pas avec des pochoirs que vous l'avez utilisé dans vos colos. Donc, dites-moi ça en commentaire. Si vous la cherchez, je vous la mets directement dans la description. Il y aura le lien, vous n'aurez plus qu'à cliquer.
Pour ce qui est de ces petites encres, je vais regarder si elles sont sur Amazon et dans ce cas-là, bah, si elles y sont, je vous les mets aussi dans la description. Il n'y a pas de souci. Vous savez, je vous mets tout ce que bah, je peux retrouver, je vous le mets en description. Et puis bah voilà, hein, laissez-moi donc un commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis bien entendu, histoire que d'autres personnes la voient, vous pouvez la partager. Si ce n'est pas encore fait, bah, abonnez-vous. Et puis surtout, pensez à activer la petite cloche. Comme ça, bah, vous aurez des notifications à chaque fois que bah, je vous posterai une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis ciao!